Dernièrement, le ministre de l'Éducation nationale, lors d'un point de presse, a fait savoir que l'école va rouvrir ses portes. Donc, vous comptez ouvrir vos portes à quand? Nous, justement, le ministre avait ajouté qu'il y a des écoles qui ont fait travailler en ligne et qui peuvent valider leur année scolaire. Nous avions déjà présenté cette demande au ministère de l'Éducation et la demande est agréée. Le collège Catsprissois termine son programme, termine ses cours. Nous fermons virtuellement nos portes demain. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle là maintenant, les enfants sont encore à l'école virtuellement. Et donc à partir de demain, on va fermer l'école et on va cumuler toutes les notes obtenues par les enfants pour donner le résultat final. Et les enfants ne sont pas obligés de revenir en août, nous n'allons pas ouvrir en août nous autres. Il n'y a que les classes d'examen, la 9e année et la terminale, qui devront venir parce qu'ils vont aux examens officiels. Mais sinon, on a fini aussi avec un programme avec eux. Mais on ne peut pas les laisser à la maison comme ça, donc on va continuer à travailler avec eux. Mais au fait, nous autres, nous allons réouvrir l'école le 7 septembre et pour commencer l'année scolaire 2020-2021. Évidemment, nous savons que les premières semaines de septembre vont nous permettre de renforcer les acquis des élèves pendant le confinement scolaire et nous avons également planifié déjà le renforcement de toute l'année 2019-2020 qui va être échelonné sur 2020-2021. Donc nos enfants ne seront pas dans les rues, nos enfants ne viendront pas à l'école le 10 ou le 13 ou le 17 août, ils restent chez eux, ils reviendront à l'école seulement le 7 septembre pour commencer l'année scolaire 2020-2021. Vous voulez savoir, je pose la question comme ça, et puis c'est une question idiote, est-ce qu'il n'y a pas des traînards aussi, c'est-à-dire des élèves qui ont eu des difficultés, que ce soit au point de vue Internet, au point de vue de gadgets numériques, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour eux? Excellente question. Elle n'est pas du tout idiote, au contraire, elle est excellente la question. Nous avons pensé à ça justement. Des enfants qui ont eu, on a des cas. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a des cas où des élèves n'arrivaient pas à suivre le rythme pour des raisons diverses. À ce moment-là, nous prévoyons les faire venir à la fin du mois d'août pour refaire un contrôle avec eux. Et donc, ce qui est prévu, nous avons déjà contacté les parents. Même quand demain nous fermons pour toute l'école, nos élèves sont en vacances à partir de demain. Donc, on a travaillé pratiquement du 17 juillet, oui. Nous avons travaillé du 20 mars au 17 juillet. Et là, je dois faire une petite précision. Ce n'est pas comme la formation en présentiel où les enfants viennent à l'école du lundi au vendredi. À partir du 20 mars, depuis le 20 mars jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de jour de travail, on n'a pas d'heure de travail. Puisque les élèves, il y a des professeurs qui ont dispensé des cours le dimanche matin. Il y a des professeurs qui ont dispensé des cours l'après-midi pour les petites classes, par exemple, les premières, deuxième, troisième année. On a surtout mis les classes virtuelles dans l'après-midi parce que nous savons qu'un enfant de première année, 5-6 ans, aurait peut-être de la difficulté à rentrer seul sur l'appareil pour pouvoir suivre le cours. Donc on attendait que les parents reviennent. Ce qui veut dire que l'école pour nous, depuis le 20 mars, je peux dire, on a eu 128 jours de travail, y compris samedi, dimanche, et nous avons travaillé, j'ose dire, 24 heures sur 24. Parce que souvent, on monitorait la plateforme la nuit. Nous avons une équipe technique qui monitorait la plateforme pendant toute la nuit pour justement accompagner les enfants qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas d'Internet et qui auraient une difficulté quelconque. Oui, il y a certains enfants qui ont des difficultés. Nous avons déjà dit aux parents qu'on va leur donner un support spécial pendant le mois d'août, enfin fin juillet, début août. Et à ce moment-là, ces enfants auront à repasser une évaluation à la fin du mois d'août. Okay. L'année académique de Catsprissois, du coup, est-ce que ça a commencé quand et puis pour en faire quand? L'année académique a commencé en septembre dernier, comme toutes les écoles au niveau national. Mais nous avons travaillé 2 semaines et demie en septembre et puis le lock politique
avait obligé toutes les écoles à fermer leurs portes. Nous avons repris le 20 novembre et ce qu'on a fait, on a ajouté, on avait prolongé nos journées de classe d'une heure pour récupérer le log politique et on prolongeait la semaine jusqu'au samedi. Chaque deux samedis, les élèves venaient à l'école pour récupérer les jours perdus et également pendant le log politique. Et nous avons travaillé au mois de décembre, nous n'avons pas eu de vacances réelles parce qu'on s'est arrêté le 24 et le 25, le 30 et le 31, premier 2. Et on a repris, on a travaillé pendant les vacances de décembre et on a travaillé jusqu'au 19 mars, ce qui nous a fait pratiquement de septembre à mars, ça nous a fait 98 jours de travail. Et depuis le 20 mars, nous travaillons virtuellement. Donc du 20 mars à date, ça nous fait 128 jours. Et comme je vous dis, on n'a pas de jours de travail, on n'a pas d'heures de travail, puisque des professeurs dispensaient leurs cours le dimanche, virtuellement, et en direct, les classes virtuelles. Et il y en a qui dispensaient leurs cours également l'après-midi, à 5h, à 6h, jusqu'à 7h du soir. Certaines fois, nous avons des cours aussi. Donc, ce qui veut dire que notre année scolaire, jusqu'à présent, on est encore au travail. Et notre année scolaire va être clôturée demain avec les élèves pour remettre les résultats définitifs le 31 juillet. Et quelle constatation faites-vous? Vous avez été élève avant d'être enseignant. Souvent, on a envie de poser une question. On ne peut pas la poser parce qu'il y a l'autre qui est là, qui pourrait nous embêter, tout ça. Donc on le prend en compte, pourquoi ne pas le dire? Et justement, la formation à distance nous a permis de constater, de découvrir des enfants qui, timides en salle de classe, ont peur de poser des questions. Par contre, et ce sont des élèves de 6-7 de moyenne, par contre, à distance, les parents nous ont fait le témoignage que ce sont des enfants qui travaillent pratiquement 24 heures sur 24 avec le seul objectif de réussir avec des notes spectaculaires. Donc, quand ils sont seuls, ils n'ont pas peur des autres et à partir de leur ordinateur, ils peuvent poser des questions au professeur. Ils s'assurent que d'autres élèves ne vont pas voir les questions et ça nous permet de revenir sur notre système de travail présentiel aussi et d'identifier ces élèves et de faire d'autres systèmes d'apprentissage pour que ces enfants explosent, qu'ils soient en présentiel ou en virtuel. Et dernièrement, je parlais avec un professeur, un enseignant à l'université, et qui disait que rien ne vaut le présentiel. Parce que lui, il enseigne aussi en mode digital, en mode virtuel. Mais il est un peu dépassé, il a des problèmes d'électricité, il a aussi des problèmes d'Internet qui ne passent pas très bien. Mais il me dit que rien ne vaut le présentiel. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis, je préfère dire que le présentiel est aussi important que le virtuel. Et si on fait une projection sur le futur, moi je dirais que le virtuel devient de plus en plus important là maintenant. Pour réaliser un programme aussi inspirant et à Castres Espoir, il a fallu une formation, une grande formation intense des enseignants. Parlez-nous un peu de cette formation-là. Effectivement, avoir l'équipement, c'est une étape. Mais pour préparer les cours audiovisuels pré-enregistrés, c'est toute une autre stratégie d'apprentissage. Parce qu'en salle de classe, l'enseignant a l'élève devant lui, donc il y a l'interaction directe. Par contre, quand on fait le cours derrière une caméra, l'enfant n'est pas là, donc on doit présupposer toutes les difficultés que les enfants risquent d'avoir et comment, dans le cours, répondre à ces questions fictives des élèves. Donc, ceci a exigé une formation spéciale pour les enseignants. Malgré le confinement scolaire, on les prenait par petits groupes et on faisait la formation avec eux. Formation 1 en termes de technologie, comment utiliser la plateforme technologiquement. Deuxième axe de formation, comment maîtriser un outil de présentation, notamment le PowerPoint, par exemple. Et trois, comment évaluer le cours qu'on fait à distance. C'est extrêmement important parce qu'après chaque cours, le professeur doit évaluer l'impact de ce cours sur les élèves. Et ça a été nouveau pour nous à l'école. On a dû faire la formation.
Et au fur et à mesure qu'on évoluait, on avait dû rencontrer les professeurs pour des formations. Là, je peux vous dire que du 20 mars jusqu'à lundi de cette semaine, les professeurs étaient encore en formation, soit présentiel, soit virtuellement aussi, parce qu'à chaque fois qu'on améliorait la qualité de la plateforme, il fallait faire la formation avec les enseignants. Et les types de devoirs donnés aussi. Les devoirs donnés à distance ne sont pas formulés de la même façon que les devoirs donnés en salle de classe. Donc, il a fallu faire la formation encore de ces enseignants pour savoir comment, quel type de devoirs donner. Et l'évaluation, par exemple, en salle de classe, un professeur peut donner un test et s'assure que les élèves ne copient pas. Mais si on fait une évaluation à distance, comment savoir que l'enfant n'a pas le livre en main en train de voir les réponses. Donc, on a dû changer le style d'évaluation également. C'est comme les évaluations à livre ouvert. Okay. Donc, ce sont des questions de réflexion, des questions de production, et on savait que l'enfant pourrait avoir le livre devant lui. Okay. Mais qu'est-ce qui était le plus important pour nous? Ce n'est pas tester les connaissances, c'est tester les compétences. Donc, réflexion. Ça, il a fallu... Essayer de réfléchir. Ce n'est pas le psittacisme. Non, il a fallu donc faire encore la formation avec eux sur la rédaction de ces devoirs d'évaluation spécialisés. Monsieur Guy-Étienne, c'est à croire que l'approche rationnelle, que l'approche holistique pour préparer un meilleur lendemain, ça nous angoisse parce que tous nos sens sont branchés sur l'état des lieux, le chaos que nous avons créé. Est-ce qu'on se dit que c'est impossible à relever vu tout le chaos qu'on a créé dans le pays? C'est pas impossible parce que le collège Casprissoir qui a mis en place ce système d'apprentissage avait la vision que l'école devait être un moteur, une locomotive de développement. Malgré toutes les difficultés, nous arrivons quand même non seulement à amener les élèves vers la formation d'acteurs de changement, mais nous sommes aussi reconnus mondialement pour la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Nous autres à l'école, nous ne voyons jamais la bouteille à 90% vide. Nous la voyons à 10% remplie. Et nous avons une jeunesse qui est une richesse extraordinaire. On peut changer, parce qu'on a changé au Collège Casprissoir. Nous ne sommes pas uniques. D'autres écoles peuvent mieux faire que nous. Il faut avoir la vision, la volonté, se donner les moyens de réussir, et être capable de reconnaître ses faiblesses et travailler pour les combler avec un objectif. Toujours le jeune qu'on nous confie, non pas pour faire de l'argent, mais ce jeune qu'on nous confie, c'est pour qu'il devienne un acteur de changement du pays. Ouais.